Salut tout le monde, donc moi, Megan et Eva, et ben on a fait une grosse commande de McDo et là on est en route pour aller la chercher et on va goûter tous les trucs du McDo. Hein. Donc c'est parti, go! Hello tout le monde! Hello guys! On espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va hyper bien. Là on est allé au McDo et en fait on va faire un challenge, on va acheter presque tous les hamburgers du McDo. Voilà. Voilà, clairement. Alors on pourra pas tout manger. Donc comme Diana vous a expliqué, on est venu au McDo. Vas-y avance. On est venu au McDo pour. Elle va nous donner le ticket, il va être hyper long. Bonjour! Merci! Pas du tout en fait. Bref, comment ça se fait? Ah ouais, mais c'est écrit en tout petit aussi. Et en fait, on est à combien de combien? Du coup, on attend notre commande et voilà, on va pas tout manger. Hein. Enfin, en fait, on va tout manger, mais pas que nous deux. Mais et pas que aujourd'hui, je pense, on aura demain. Et non, j'aime bien McDo, mais désolé, je peux pas mais manger. Pourquoi tu filmes? Parce que j'ai mal à mon bras. En fait, la dame devant nous, ou je sais pas qui c'était, enfin en tout cas la voiture devant nous, elle avait une boisson, des nuggets, je crois. Ouais, hein, c'est tout. Un petit truc. Alors nous. Et là, en fait, ils sont à 4 sur notre commande. Mais ils vont voir deux filles manger ça, ils vont pas, mais c'est des folles. Non, mais je pense ils vont croire qu'on fait une soirée soir ou je sais pas. Hein. Soirée McDo, plus de 6, attention. Je suis là, je vais manger aussi. Mais toi, on t'a pris un Happy Meal. Parce qu'elle nous a saoulé. Pikachu. J'espère qu'ils vont rien oublier parce que chez McDo, on les connaît, ils font que d'oublier des trucs. Et ça, en fait, ah oui, faut savoir que nous, au McDo, on prend que des Big Mac, vraiment. Ouais. Des Big Mac, vraiment, on n'a jamais pris un autre truc. Je crois, est-ce que j'ai déjà pris un autre truc? Un croque McDo. Oui, un croque McDo, mais je crois que j'ai pris un autre sandwich, mais un petit comme ça, vite. Bref, on prend tout le temps des Big Mac, vraiment, on n'a jamais pris autre chose. Je crois que j'ai pris une fois. Tu dis ça comment? Vas-y, comment tu le dis? On a toujours pris des Big Mac. Ah ouais, parce que tu dis Big Mac. Hein. Non, Big Mac. C'est dur quand tu parles vite, tu dis Big Mac. Ouais, parce que. Bref. On prend toujours des Big Mac. Quand on était petite avec Negin, tellement on disait McDo. Un jour, on a dit à notre mère comment ça s'appelle en vrai, parce que on avait oublié le nom McDonald's. On pensait que ça disait ou McDonald's ou alors McDonald's. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. J'ai hâte de goûter aussi comme Eva vient de le dire. Et j'ai aussi trop hâte de voir mon cadeau. Désolée pour l'attention. Ouais, parce que si t'as une grosse. Oh, il est lourd le bac. C'est bon? Il n'y a que ça? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Bon courage, au revoir. Elle m'a fermé la porte. Ouais, ok, donc ils ont vraiment tout enfoncé dans 3 sacs. Quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hamburgers déjà là-dedans. Il y a tellement mon. Ah, c'est Pikachu! Oh, c'est Pikachu! Incroyable, elle voulait trop son Pikachu, elle l'a eu. Là-dedans, c'est quoi? Diana? On se retrouve in the house! Bisous. Voilà, nous sommes à la maison. On a tout mis comme il faut et tout. On va vite manger parce que. Moi, une boisson déjà parce que j'ai hyper soif, j'en peux plus de ma vie. C'est quoi ça? Je sais pas, mais moi j'ai pas envie de boire de l'ice parce qu'il est dégueulasse leur ice. Ok, donc c'est parti pour manger. J'ai hyper faim. Alors, vous savez commencer par quoi? Moi, je vais commencer par un truc que j'ai jamais goûté. Moi, j'ai envie de commencer par ça. Le truc qu'on a toujours. Le truc qu'on a toujours goûté, c'est ça. Donc, on va le laisser. Moi, j'ai envie de commencer par le truc au poisson. 4 nuggets. Est-ce que ça, c'est bon? Je vais goûter. Ah. C'est la première fois de ma vie que j'ai 4 nuggets. C'est quoi ça? C'est tout lisse. Alors je veux ouvrir ce truc. Moi c'est hyper bon. Oh. On dégoûte un petit peu mais c'est pas grave. Goûter. Donc c'est un McFur. Donc c'est... Non, un filet au fish. Et moi c'est un truc beef barbecue. Là c'est hyper bon, je vous jure. Encore des autocollants. Encore des autocollants. Et ça c'est un petit jouet. Ça. Moi c'est du poisson. Ouais. Y'a pas assez de sauce. C'est trop bon ça. Moi je pense que je vais reprendre ça au McDo hein, parce que c'est hyper bon. Première carte. Bah moi je vous montre un peu pour ceux qui ont jamais vu. Parce que moi j'avais jamais Deuxième carte.
Bah voilà quoi, il y a du poisson, de la sauce. Troisième carte. Dernière carte brille. Elle a une carte brillante. Trop bien, Diana. Tu vois, ça c'est quoi? Ça va, c'est bon, hein. Neige. C'est que ça. Neige. Ah, lui ça va, c'est bon, hein. Mais remets ça dans tes frites là. Ah, ah ça aussi c'est fiche là, je sais pas quoi. Non. Si. C'est McFurst, ça c'est au poulet. Poulet. Non, ça c'est il y en a plusieurs et ça c'est au poisson. En tout cas lui il est bon, hein. Genre pour quand t'as pas trop faim et tout. Mmh. Ah, c'est trop bon. C'est hyper bon. C'est quel ça? Ah ouais, ça c'est bon. Oh, mais ça pique. On dirait un Big Mac un peu. Il est un peu défoncé. Hein. C'est sauce piquante. Oh, j'ai trop envie de goûter. Le 280, c'est... Oh, bah, j'ai tout le temps. Ah, mais non, mais lui, j'ai déjà goûté le 280. Ah, voilà, ça c'est au poulet. Mmh. Oh, non, c'est celui-là qui est au poulet. Bah coupe-le, genre. Non, je sais, non mais coup. Moi, je vais juste goûter. Donnez-moi ça. Ouais, ça c'est au poulet. Ah, donnez-moi ça. Oh non, ça c'est pas bon. Chicken, bacon, oignon. Non. Oh, ça ça me donne pas envie. Je peux pas manger. Ça, je vais goûter ça. Mmh. Ça non plus, ça me donne pas envie. Aux œufs, ça me dégoûte un peu. Mais c'est trop bon. J'ai jamais. Attendez, parce que vous avez croqué dans tout en fait. Dans lui aussi, vous avez croqué? Non. Mmh. Je sais pas ce que c'est. Je vais goûter. Dégueulasse, mais d'accord. Non, c'est de l'autre côté. Ok. Ok, je vais goûter un truc. Le Big Test. C'est sucré? Hein? Ok, donc je vais goûter le Big Testy. Ouh là là, mais il est gros. Et moi, j'ai pas l'habitude. Dans... Ah ouais. Des petits trucs là, c'est quoi ça? Petit plaisir. Ok, ça, ça donne. Non, mais c'est quoi ça? Ça donne pas du tout envie. C'est grave bon ça. Non mais ça, ça donne pas c'est envie. Grave ça, bon, ça. On le laisse à quelqu'un d'autre de la famille. On y a pas touché. Big Testy, c'est hyper bon. Ah ouais. C'est hyper bon ça. Oh, regardez celui-là. C'est un truc egg fromage là. C'est trop bon, écoutez. Non. Non, vas-y, c'est aux œufs ça. Oh. Bon, ça aussi, on le laisse à quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? Moi je kiffe lui là. T'es en train de kiffer. Ah, tu vas vraiment le finir celui-là. J'ai pas faim mais j'ai envie de le manger parce que c'est Big Testy. Je sais pas il y a quoi dedans. Ça, c'est un triple cheese. Non vraiment le meilleur c'est vraiment celui-là. Le barbecue là. Ah ouais, est tellement bon. Mais ouais. Moi j'aime pas la sauce barbecue. Non, ça a vraiment le goût de barbecue. J'ai pas regardé de quoi ça. Non, c'est pas ça. Ah c'est ce que j'ai dit et toi. Et nous deux on m'a dit c'est ça. J'ai trop aimé. C'est pas là. Ah, notre truc qu'on a mangé de nous trois. Ouais. C'est lui, je crois. Ah ouais, c'était lui. Oh, je vais le finir. Non, pas finir, mais je vais manger un petit peu. Ah non, mais lui, il est vraiment bon. Hein. Ouais. Le Big Testy, il est très très bon. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ça ne me dérange pas, parce que si je sais ce qu'il y a dedans, ça va me dégoûter. Donc, faut pas que je sache. Il y a du rat. Mmh. Elle a pris 10 iced tea. Elle a pris 5 iced tea. Logique. Logique. Voyons voir. Potatoes, bien sûr, évidemment. Bon, j'ai plus faim. Clairement, là, j'ai déjà pas faim. Donc, bah, sinon, je peux le faire. Mais j'aime trop. Lui, vous allez le garder. Ça, c'est un petit hamburger normal. T'as envie de goûter? Si je dis qu'il est bon, c'est sûr, tout le monde va aimer. Pourquoi je te prends pour qui? Je suis une reine. Il est trop bon. Tout ce que toi, tout ce que t'as, t'aimes, faut savoir. Il est hyper bon. Bon, du coup, moi, je passe à mon deuxième ice-tip parce que j'ai déjà vu le premier en fait. Comme le mec là qui boit au verre. Ok, maintenant
j'ai plus envie d'en Ah non, mais j'ai plus envie. Bon, on est un peu au McDo, mademoiselle. Tu veux quoi? Je vais manger des nuggets. Des nuggets? Tu peux m'en prêter une, non? Elle m'a chippé en me le donnant à fait. Je suis perdue, je sais pas ce que c'est quoi. C'est des pommes. C'est hyper bon. Ça fait bon. Les bruits de bouche, désolé. Depuis tout à l'heure, mon masque. Heureusement, on a pas des micros. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le Big Mac, je l'ai oublié. Clairement, j'ai pas envie d'en manger. Ok, c'est une pomme, je connais la pomme. Pour rien. Je parle pour rien. Oh, tu me fais toi comme toi. T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. C'est quoi le truc là? Non, c'est pas bien de dire ça. Oubliez pas de vous abonner à ma mère. À la chaîne de notre maman. Donc, il y a plusieurs questions dont qu'on voulait répondre. Il y a plein de questions, Negine. Dis-nous la première question, s'il te plaît. Alors, les questions type pourquoi votre mère, elle montre pas son visage? Première réponse, parce que elle a pas envie forcément de montrer son visage maintenant, peut-être plus tard. Mais là, non, elle n'a pas envie. Donc, il faut accepter la vie privée et le choix des gens. Par exemple, la main fâchée. Vous avez déjà vu sa tête? Non. Donc peut-être que plus tard, un jour, si elle se décide, elle va vous montrer. Bref, deuxième question. La deuxième question est pourquoi elle ne parle pas dans ses vidéos? Déjà parce que... Mais oh, tu me laisses répondre. Non mais attends, de une, c'est plus simple pour tout le monde de lire et de regarder. Ça va durer, ça dure moins longtemps forcément, donc ça va plus vite. Et de deux, parce que vu que les vidéos sont destinées à une communauté française et iranienne aussi... comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Du coup, si notre mère elle parle en français, c'est les Iraniens qui vont pas comprendre. Et si elle parle iranien, c'est les Français qui vont pas comprendre. Donc, le plus simple c'est d'écrire les deux et comme ça, basta. Voilà, et peut-être qu'un jour, elle va vous parler. Voilà, sinon, c'est un humain, c'est pas un extraterrestre, vous êtes tous là, on peut l'avoir. C'est bon, les gars. En fait, vous avez beaucoup à nous dire, est-ce qu'on va faire d'autres vidéos de prison? Ne vous inquiétez pas, oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes des vrais, on est des vrais, on est des vrais. Maya est la plus jolie. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. D'ici là, prenez soin de vous.